Hey, bonjour à tous camarades, c'est Spartan, j'espère que vous êtes en super grande forme aujourd'hui. Moi, comme d'habitude, je suis en forme peps. Bref, aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo pour vous aider à bien débuter sur Battlefield. Alors, au premier abord, pour les nouveaux joueurs et donc les débutants, Battlefield est un jeu un peu plus technique et complexe que la plupart des FPS qui sont proposés sur le marché. C'est pourquoi je vous propose plusieurs points à aborder afin de bien débuter sur Battlefield. Premier point donc à voir sur ce sujet est l'escouade. L'escouade est donc un des points clés de la réussite sur Battlefield 1. Il vous permettra de regrouper les joueurs entre amis afin de coordonner au mieux les stratégies que vous pouvez apporter sur le champ de bataille. Vous pouvez privatiser l'escouade et donc rester uniquement entre amis. Il est toujours plus agréable de jouer entre potes sur un jeu qui demande une stratégie d'équipe. A vous donc de coordonner au mieux la stratégie d'équipe. A noter aussi que les ordres d'escouade vous apportent quelques points qui sont non négligeables. Deuxième point les amis, les classes élites. Il existe sur les cartes 3 classes élites qui vont vous transformer en une véritable machine de guerre, aussi balèze qu'un Chuck Norris, le lance-flamme, le sniper anti-char ou encore la sentinelle. Bien pratique dans certaines situations qui pourront par moment vous aider à retourner une situation sur le champ de bataille. A vous donc de trouver ces fameuses caisses sur la map et d'en tirer profit. Attention tout de même car ces fameuses caisses élites ne sont utilisables que par un seul joueur à la fois, donc premier arrivé, premier servi. Troisième point donc, les points de réapparition, les spoons. Là encore, il s'agit d'un point clé et stratégique dans Battlefield 1. Après avoir été tué sur le champ de bataille, vous pouvez naturellement réapparaître à votre base ou sur les points déjà capturés par votre équipe. Mais vous pouvez aussi, grâce à votre escouade, réapparaître sur l'un de vos collègues, au plus proche de l'action et souvent en plein combat. Attention tout de même car ce genre de réapparition peut être délicate si votre ami est en pleine zone de combat par exemple. Les spoons de vos collègues sur votre propre position vous rapportent également de précieux points qui ne sont pas négligeables. Quatrième point les amis, le médecin. Les médecins sont l'une des classes les plus importantes de Battlefield 1 et j'insiste sur ce point. Le médecin, comme son nom l'indique, est donc capable de soigner vos blessures et même de vous réanimer, sauf si vous décidez bien sûr de respawner sous leur nez. Sur les zones de combat acharnées par exemple, vos soldats peuvent se retrancher sur un médic placé par l'un des médecins et ainsi récupérer des points de vie de santé et repartir en pleine forme au combat. Le médecin est particulièrement efficace dans certains modes de jeu comme le mode opération par exemple où réanimer un soldat annule la perte d'un ticket. Parfois le médecin peut faire la différence entre deux équipes de haut niveau, pensez donc à aider vos collègues si vous prenez cette classe. Cinquième point les amis. Le cheval, le canasson, même si Spartan V1 n'est pas très adepte du cheval, je peux vous assurer que certains font de sacrés carnages avec celui-ci. Il vous faudra certainement plusieurs essais avant de réussir à dompter la bête. La prise en main faite, le cheval est particulièrement efficace pour percer les lignes ennemies et ainsi désorienter l'équipe adverse. Abattre un cavalier par exemple n'est pas une chose facile, évitez donc de vous en prendre directement au cheval car celui-ci dispose de points de vie qui sont assez conséquents. Concentrez-vous plutôt sur le cavalier. Après une bonne prise en main, vous pouvez donc avec celui-ci tuer vos ennemis à coups de sabre, de fusil et même à l'occasion de piétiner vos adversaires. Attention, respawnez directement après une mort ou en début de partie sur un cheval, vous vous retrouverez équipé de la classe correspondante. Cette classe dispose d'un pack de soins et de points de vie supérieurs à la moyenne. Sixième point les amis, les fumigènes. On a souvent tendance à sous-estimer cette arme, voire carrément à jamais l'utiliser. Pourtant, je peux vous assurer que la fumigène peut vous aider bon nombre de fois sur le champ de bataille. En zone totalement découverte, par exemple, elle peut vous aider à vous défendre face à un sniper ou même sur un point à réduire considérablement la visibilité d'un tank. Entre amis, il s'agit d'une des stratégies les plus efficaces face au tank. L'un jette une fumigène afin d'aider votre collègue à se rapprocher le plus possible de celui-ci afin de l'exploser plus facilement. Septième point les amis, est sûrement l'un des points les plus importants de Battlefield 1, utilisez votre environnement. L'environnement dans Battlefield 1 est un des points clés que les développeurs ont su optimiser au mieux pour ce type de jeu. Évitez donc le rentre-dedans et utilisez plutôt votre environnement à bon escient. Si par exemple, un adversaire se cache derrière une porte, ça ne sert à rien de courir car elle vous attendra sûrement dans le coin de la pièce. Utilisez plutôt la dynamite à l'extérieur pour faire une percée dans le bâtiment. Ainsi, vous pourrez prendre plus facilement votre ennemi par surprise alors que celui-ci vous attendait par la porte. Bref, il n'aurait jamais imaginé vous voir débarquer ainsi par le mur. La classe sniper maintenant peut-elle aussi devenir hyper efficace à condition de bien connaître la map, les endroits discrets avec une grande visibilité sur le champ de bataille. Un bon sniper est un sniper qui sait utiliser à bon escient son environnement.
Le huitième point, les amis, les médailles. Comme vous l'avez sûrement remarqué, avant chaque partie, il vous est proposé de choisir une médaille. N'oubliez donc pas d'assigner vos médailles avant de débuter la partie. Les objectifs remplis, elles vous apportent de gros points d'expérience qui sont non négligeables. Neuvième point, les amis, l'objectif. Battlefield 1 est avant tout un jeu par équipe. Pensez donc à jouer l'objectif en capturant les différentes zones sur la map. A noter que la capture de zone vous apporte énormément de points. Le dixième et le dernier point, les amis, les véhicules. Il vous faudra sûrement plusieurs heures d'entraînement avant d'utiliser au mieux chaque véhicule qui sont proposés dans Battlefield 1. Les avions sont pour moi l'un des véhicules les plus difficiles à prendre en main. Mais après coup, l'utilisation d'un avion avec une bonne prise en main peut faire des dégâts considérables dans les rangs ennemis. A noter aussi que la classe assaut est la plus appropriée pour détruire les véhicules. En effet, elle vous proposera un arsenal qui vous permettra d'exploser plus facilement ce type de véhicule. Voilà les amis, ce petit tuto sur Battlefield 1 pour bien débuter pour les débutants donc se termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'autres tutos un peu plus complexes vont débarquer sur la chaîne dans les prochains jours. Je vous laisse donc sur ces images et vous dis donc ciao les gars.